Astuce suivante. Du coup, là, vous configurez votre touche. Normalement, par défaut, c'est la touche Q, mais moi, c'est la touche A, du coup. Alors, cette touche vous permet justement de drop au sol des objets. Mais pour aller plus rapidement, si vous avez un stack à donner, au lieu de faire comme ça, hop, balancer, vous pouvez faire. D'accord, j'ai pas tout recoupé. Vous faites contrôle A pour ma part. Et voilà, avec le raccourci, vous balancez carrément le stack.